Bonjour à tous, c'est Tom Sors, on se retrouve pour l'épisode 7, si je dis pas de conneries, d'un Hugla saison 2, toujours avec le poisson. Au programme du jour, on va faire du mécanisme, donc on va essayer de crafter la plupart des objets qui sont ici. Bon, à part la méca suite, parce qu'il faut un réacteur nucléaire, donc nick. Et on va aussi en profiter pour, je retire les abeilles, pour faire la centrifugeuse. Parce que, comment dire, ça produit beaucoup. Beaucoup. Trop. Voilà, ça produit beaucoup. On en trop. Veut plus. Après, ce qu'on a fait entre temps. Donc, ouais, j'ai amélioré mon sac, j'ai mis un stack upgrade, donc c'est un peu pratique. Je me suis fait un début de stuff en netherite que je vais améliorer en feathering. Featherite, je crois, je m'en rappelle plus le nom, qui me permettra de courir sur l'eau pour suivre l'autre débilus. Et j'ai fait des couloirs, j'ai fait un début de couloir. Bon, l'éclairage, je le trouve joli, je vais le faire sur tout le long. Et du coup, j'ai le prochain embranchement où on mettra ici des apiaries et on va mettre juste là où je pointe des centrifuges. Et l'autre, il a fait une armure, il a trouvé un temple de la mer. Et je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il a trouvé un truc absurde, je pense. Thomas. Quoi? Ce qui me fait rire, c'est que tu penses qu'en courant sur l'eau, tu vas me rattraper. Non, mais pas forcément. Mais au moins pour te suivre. Il me faut du copper, j'ai oublié d'en prendre. Je pense honnêtement qu'en bateau, tu serais plus rapide. Il y a des chances. Il me faudrait du copper, du copper, c'est du sûr copper. Que niveau confort, le bateau, c'est pas top, quoi, mais bon. Quand je vais te faire... Quand je vais te montrer l'armure et que je vais te la faire essayer, tu vas vite comprendre pourquoi je la trouve absurde. T'es rapide, mais genre beaucoup. Pas assez. Il manque un enchant. T'es un barjo, frérot. Bah déjà, j'ai le souvenir qu'une armure en diam ou en netherite, si tu veux, Death Strider 3, j'étais fast as fuck. Alors à partir du moment où je vais te montrer la vitesse que j'ai là déjà, et en plus, il y a un truc que tu verras pas de suite, tu vois. Quand je te le dirai, tu vas te rendre compte qu'en fait, on va pas bien se faire chier. Bon, je te drop du charbon. J'en ai 31. Voilà, il drop. Tu veux pas descendre me montrer ta belle armure? Si, vas-y, let's go. Hop. Donc moi, je vois à quel point je suis beau. Je suis en train de mettre des trucs à cuire dans des fours parce que... Ah, vas-y, tiens. Monsieur le four, là, monsieur le nazi. J'ai mis des trucs dans les fours. Un peu charbon. Oh, t'es beau, ma boy. T'es de toute beauté. Ma boy. Mon style est parfait, là. Pouah, 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 t'es beau. Moi, il me manque des morceaux d'armure. Mon pantalon, il a 15 de durabilité. Mon plastron, il en a 71. À E2, j'ai même pas 100 de dura sur mon armure actuellement. C'est triste. Ouh, l'armée de nains qu'il y a. Y a pas un bébé là-bas? Par hasard. Ah, mais il y en a plein des PNJ, ils sont grandis en plus. Mais oh, il y a un enfant. À moi, à moi, à moi. Il y en a deux. Non, tu les as tous su. Il y en a un deuxième, c'est bon. Je fais que du 26,4 de dégâts, ça va. Tu m'as dépassé, t'es au courant. C'est le but. Je suis supérieur. Je suis à 10,2 là. Non, tu n'es pas supérieur, pas dans l'eau. Sinon, t'aimes... Oh, sympa ton couloir. Ouais, t'aimes bien. C'est sympa. L'éclairage qu'il y a sur le coin là, l'éclairage qui est juste ici, faut que j'en récupère, c'est un truc du Nether, ici là. Je trouve l'éclairage, enfin je trouve que le truc comme ça là, tu vois déjà, ça fait des espèces de cercles d'ombre, ça fait très beau. Viens voir. C'est incroyable. Les cercles avec les ombres. Ouais. Tu vois ce joli bloc? Oh ça! Oui. Bah je vais en m'en servir d'éclairage à la place des torches. Je vais mettre ça sur les murs. C'est très sympa, en effet. Oui, moi il me faut. Après, chose qui me pose problème mentalement, c'est quoi? C'est que c'est symétrique. C'est pas grave ça. Comment tu oses faire une construction symétrique? Ça fait toujours chier les constructions symétriques, Thomas. Mais on s'en fout, on met pas de porte. Oui, mais même ça fait toujours chier peu importe ce que tu fais en fait. C'est toi qui fais chier. J'ai de la cobble, ouais, j'en ai 262, je pense j'ai ce qu'il faut. Bon, je vais pouvoir commencer du coup la production d'énervé. Oui. Parce que l'énervé, c'est pratique. C'est... Ouais, il faut du style, et pour le style, il faut du charbon. Il va falloir que je récupère la blinde de charbon. Il faudra qu'on se fasse une abeille de... qu'on mette une abeille de charbon à la place du milkshake, je pense. Ce serait potentiellement pas mal. Alors... C'est moyen qu'un moment tu viennes me voir dans l'eau, histoire qu'on règle ce problème de mystère sur l'armure. T'inquiète. Donc, pour commencer, il nous faut un hit generator, voilà, qu'on va pouvoir brancher, qu'on va pouvoir placer là.
Ensuite, tu vas le brancher à la prise secteur. Ce qu'il va me falloir pour faire les câbles, c'est donc... Là, c'est pas le bon truc. Voilà, mécanisme. Il me faut un... Non, pas un energy smelter. Si, il me faut un smelter. Peut-être. Voilà, pour faire de la steel dust, du coup, il me faut un métallurgique infuseur. Faire le métallurgique infuseur, c'est tout simple, ça coûte pas cher. Métallurgique infuseur, il me faut juste deux fours. Voilà. Métallurgique infuseur, on en a un. Donc on peut virer ça et ça. À partir de là, il va me falloir donc que je le, il va falloir que je le place là. À partir de là, il faut que je fasse donc de la poudre de steel. De la steel, il me faut des steel, donc il me faut de l'enrichi d'iron. Ce qui me fait... Alors, je vais faire 8. Il me faut donc 16 de charbon pour 8 d'iron. Et du coup, je vais mettre le risque de mon... Oh, ça produit que dalle à LED. C'est absurde, mon dieu. Voilà, j'ai 0 d'énergie. Oh, j'ai un saut de lave, c'est nickel. Non. Casse les couilles, ah ouais, à ce point. Voilà. La production d'énergie est excessivement faible, pour te le dire, c'est compliqué. Il va falloir beaucoup plus de charbon que prévu. Mais c'est pas grave, on va rapidement faire ça. Donc pour ça, il me faut un de fer, un de charbon, un d'osmium, un de... Pas de charbon, mais de la redstone. Pour ça, du coup, il m'en faut deux. Donc il me faut 5 redstone, 5 de fer. J'ai pas d'énergie. Oh, LED. Je vais mettre un stack de bois. Que dalle. Pas moyen genre de... A l'aide. Il va falloir que j'aille chercher. Excuse. Je vais prendre du charbon. Il nous en reste sûrement beaucoup. J'espère. Non. C'est un moyen de me trouver du... C'est un moyen de me trouver des poulets. Ce serait merveilleux. Je trouve des poulets. Tu peux les égorger. Hein. Je veux juste des plumes en fait. Oui, c'est du charbon. T'en fous combien d'ailleurs des plumes? Il m'en faut 8 x 4. 32. Nice. Après j'ai le looting 2 donc justement. Ça devrait pas être trop long. Je mets mon armure parce que tu me verras pas après tout. Le serveur te dit que je bouge trop vite là ou Je sais pas, je suis pas sur la console, j'ai qu'un seul écran, je te rappelle. C'est vrai. Y a plus de charbon, mais tellement de coffres remplis pour 0 charbon à l'aide. Ce serait drôle que je sois speed up sous la pluie en plus, imagine. Ce serait absurde, oui. Oui, mais l'armure est déjà absurde en elle-même. Oui, pas faux. Et que je vérifie, pour le craft que je voulais faire, c'était pour la windmill, il me faut... Ouais, c'est de la redstone. C'est que de la redstone qu'il va me falloir, donc il va me falloir 5, 6, 6 de redstone, de l'osmium et du fer. J'ai ce qu'il faut. Mais oui, brun. Alors, donc, la production d'énergie. Voilà. Avec 25 charbon, ça devrait être un peu mieux, j'ai envie de dire. Un peu. Bon, 5 plumes déjà. Voilà, c'est l'énergie, elle monte, on est bien. Petite énergie. Elle diminue, on est moins bien. Le zombie en armure qui n'est pas tenu. Oh, le salope. Genre, tu drops pas de plumes. Mais c'est que ça consomme beaucoup, ce connerie. j'ai pas de charbon, j'ai pas de bois, j'ai enfin pas assez pour faire ça. Pas un gisement de charbon là. Si, un gisement. Mais tu mets une colby au pire dans la pyrie et puis t'as du charbon. Ouais, mais faut la mettre quoi. Et mettre un bloc de charbon aussi de base, mais flemme. Là, il y a des gisements. Je te rappelle, on a creusé un. J'ai creusé un gros trou même. Et il y a quelques gisements. On, parce qu'on est communiste. Ouais, mais la machine elle vient de l'industrie capitaliste américaine, donc tu te fous. Voilà. Je parlais pas de la machine, je parlais du trou. C'est trop bien. Ta mère qui est communiste. C'était gratuit, désolé. Du charbon, encore du charbon. Mais ça nous fait XP, j'en profite, ça va me permettre d'avoir une réserve dans mon backpack. Et après, je pourrais me refaire une belle armure. Parce que pour l'instant, je me suis fait une armure enchantée pas super haut level, donc j'ai à peine du P2 quoi.
Mais je suis full P2, c'est déjà ça. En netherite, ça protège... somme toute de manière relativement correcte. Donne-moi du charbon, du charbon, du charbon. J'avale le charbon. Wait, wait, wait. Ah oui, on a fait un truc pour avec les abeilles aussi tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent et qui ont regardé FTB de, avec le let's play de Hypierre, il y a un moment où il a découvert que l'autocliqueur ça fonctionnait bien, mais genre beaucoup. On a fait pareil et on confirme, ça fonctionne bien. Voilà, on s'est fait un quasi inventaire de données combes en une minute et quelques. Et encore sans compter, c'est pas, et encore sans compter les moments où il fallait vider la machine de miel et autres. Donc c'était assez drôle. Voilà. Ça devrait générer assez d'énergie pour qu'on ait la fin du fer qui est ici. Je vais préparer le reste de notre fer. Donc on a dit qu'il fallait 5 de fer comme ça avec 6 de redstone et qu'il nous fallait un d'osmium. J'ai un peu d'or, ça suffira sûrement pour les énergies tablettes. Ouais, large. Et faudra voir. Alors, left shift description. Pas de créature, ouais, public, ça crée d'énergie. Shift N, donc. Shift N, voilà, générateur qui use. Plus il est haut, plus il gagne des points. On est qu'à la couche 46, donc il va pas produire beaucoup. Faudra que je tire un câble derrière un des murs et que je le fasse tirer très haut. Mais bon. Il nous reste donc le carbone qui est là. Ouais, donc ça va commencer à baisser. J'aurais dû m'occuper de faire de la production d'énergie avant de faire ça. Que c'est pas que ça commence à être compliqué, mais ouais, j'ai déjà plus rien. Oh là là, bon bah c'est reparti pour m'aider de charbon. Youpi, tout ranger parce que c'est pas grave. On va se faire donc deux batteries comme ça, une batterie, deux batteries et une éolienne. On va aussi se faire des câbles, hop là, à 32, et est-ce que, à tout hasard, ah, il faut un bloc de plus. Il faut beaucoup de blocs ou juste il veut pas être posé par terre dehors? Oui, donc lui, il va falloir le mettre à l'extérieur. Pour cela, on va, à la limite, en attendant, on va remonter nos machines. Voilà, on va les remettre ici et là. On va pouvoir donc sortir un câble qui va remonter tout là-haut. On refera la déco plus tard, hein, c'est pas important. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, on est en plein milieu du village. Zut alors. C'est pas grave. On a une production d'énergie qui se fait. Automatique. Nickel. Donc maintenant, on a de l'énergie. On va pouvoir continuer. Avec tout ce qui est craft. Donc, craft. Je voulais vérifier un truc. Celle-là, il lui faut... Ouais, il faut un piston. Il va me falloir beaucoup de bois. Je récupérerai ça à côté. Donc on a maintenant une production d'énergie constante et on va dire relativement correcte. Pendant que le PNJ continue à tirer dans le vide comme un abruti. Si je pouvais au moins ne pas me tirer dessus, ça m'arrangerait. Je vais juste faire un peu de camouflage tranquillement. Si vous voulez bien. Hop là, tac, tac. Tac, tac, tac. Je vais quand même re-rentrer, s'il te plaît. Tac, et puis tu vas me faire ça et ça. Voilà, énergie produite.
Maintenant, poète, alors cette machine n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va faire ça, voilà. Autre machine que l'on veut fabriquer, c'est si on veut se fabriquer le jetpack par exemple. Il nous faut du tin, c'est pas grave, ça c'est pas cher. Et ça on l'a déjà fait, on va fabriquer notre jetpack, écoutez. Donc il me faut deux ça, un d'osmium, là, tac, et pendant que ça se produit, on va aller chercher du thym, parce qu'on en a pas. Et on va en profiter pour voir si nos abeilles de charbon ont produit, parce que du coup on en a pas non plus, on a plus du tout de charbon non plus. On va voir, est-ce qu'on a du thym? Oui, on a du thym. Plus du tout de charbon, j'aurais dû m'en douter. J'ai tout récupéré. Bon, c'est pas important. On a notre abeille dans la pierre qui devrait charbonner, comme on dit. Ouais, je sais, c'était pas une blague de haut niveau, mais bon. Parce que la pierre, elle est un peu pétée, elle produit les zones combles 8 par 8. Peu importe le nombre d'abeilles que t'as. Enfin, il y en a 9 au maximum, mais chaque abeille produit du 8 par 8. Jacques 46 si vous voulez, c'est un peu pas mal. On va se produire un peu de charbon. Et en plus c'est du produit du 16 par 16. Ok, c'est pété. On va faire cuire du thym. Hop là, du thym, du thym. Est-ce qu'on en a pas déjà? Si, on en a déjà. Nickel. On va pouvoir fabriquer donc un basic chemical comme ça. Il nous faut... il nous manque juste le basique contraire et il nous faut de l'acier, donc il va me falloir du charbon. Ça, ça dégage. Et il peut me faire... Alors, il va falloir un deuxième truc comme ça. Et il faudrait que je refasse un deuxième, mais je peux presque me faire le jetpack de mon côté. Il me refaut deux comme ça et un d'osmium. J'ai presque plus d'osmium, mais c'est parce que tout est là-dedans, c'est bon, j'ai eu peur. Pour le jetpack, donc ça c'est le jetpack normal, le jetpack on peut l'améliorer avec, pour qu'il soit pour avoir une armure niveau diamant, hein, clairement. Pour cela, il va me falloir l'électrolyte séparateur, et pour ça il va me falloir des poudres comme cela. Je pourrais les fabriquer à la main, et c'est peut-être ce que je vais faire en vrai. Et il faut l'Energizing Smelter, ce sera utile, le Crusher aussi. Mais honnêtement, là, l'Osmium Compresseur, je sais même plus pourquoi on voulait l'utiliser. Pour faire le Refine Obsidian, j'imagine, mais je sais plus pourquoi on en avait besoin. Bref, on refera sûrement des Basic Energy, mais pour l'instant, on va attendre d'avoir ça, et on va fabriquer des wind generators en plus. On peut en fabriquer quelques-uns, ce sera pas très cher, ça passe. Donc je vous reprends, on a tout ce qu'il nous faut comme matériaux, faut juste faire cuire hop là, il faut juste faire cuire le steel, ce que je vais faire tout de suite. On va en profiter pour ajouter deux comment dire, deux... Oula, il y a Doom qui commence à se lancer, nickel. On va faire deux éoliennes pour booster notre production d'énergie. Et on y mettra une petite réserve en plus qu'on va crafter ou pas d'ailleurs. La réserve basique énergie cell, ouais non, flemme. On va directement s'intéresser à la production des centrifuges. Qui risque de coûter un peu cher de ce que j'ai vu. Surtout pour... voilà, c'est les wax machines qui coûtent cher parce qu'il faut du trim wood et ça c'est du wix wood. Bref, c'est le bordel, un peu beaucoup. Donc d'après les calculs que j'avais fait, j'ai trouvé le bloc qu'il avait cassé. Il me faut donc du 3x3x7, ce qui fait qu'il me faut beaucoup de bois, beaucoup de matos, voilà. Le retour du sauveur, incroyable. Le retour du sauveur qui a eu deux appels à gérer. Et non pas un. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu sur un moment. J'ai mes parents et ma grand-mère. Ah. Bah écoute, voilà. Moi j'ai fini la production d'énergie, donc on a des éoliennes qui popent au milieu du village. Fais pas gaffe, c'est normal. Nice. J'ai 17 plumes au cas où tu te demanderais d'ailleurs. Bah c'est merveilleux, écoute. Je vais bientôt commencer à faire la centrifugeuse.
Oh oh. Ça fait combien de temps d'épisodes là du coup, vu que je suis parti à un moment? Je regarde ça. On est actuellement à 40 minutes d'enregistrement, mais comme va y avoir sûrement pas mal de temps coupé. Il va y avoir sûrement 3 heures de record. J'ai découvert, du coup j'ai mis une Colby et chaque onicombe ça en donne 16 de charbon. Oh un, putain, un poil pété. Parce que j'ai dû utiliser, l'équivalent de 8 stacks de charbon pour produire assez d'énergie pour faire les premiers trucs que je voulais faire. Et je nous ai fait un jetpack chacun, il faut juste que je fasse l'électrolyse séparateur. Mais ça coûte franchement pas grand chose, il me faut juste des minerais de fer et d'iron. Sauf que j'en ai pas. Donc à la limite je vais faire un crusher, c'est pas compliqué non plus. Il me faut quoi pour le crusher? Ah oui, il faut 2 lava buckets, bon c'est trouvable, mais il me faut surtout de la glace. Est-ce que j'ai de la glace? Il me manque des blocs de glace. Pas ma faute. Donc on a une centrifuge, il va me falloir beaucoup de bois, parce que sinon on va pas y arriver. C'est pas ma faute, c'est une Venturi pet. J'ai pas choisi moi. Voilà, donc on a deux steel casing. J'ai un début de centrifugeuse, ça je peux le ranger parce qu'on s'en fout. Ça, par contre, quel bonheur de respirer sans avoir rien à faire. Trop pratique. Ça s'appelle le jeu Vanilla. Oui. Oui, non, mais là je peux respirer partout en fait. C'est... Dans l'eau ou pas quoi. Faites le water bossing, il nous met au niveau respiratoire équivalent toi et moi. C'est génial. Oui, c'est ça. Toi, il te met une bonbonne d'oxygène et moi, juste, il me colle des branchies. Il me colle un tuba dans la bouche. C'est ça. Un tuba à longue distance, si tu veux. Un très gros le tuba. Le tuba à longue portée. Bah non, tuba avec des bonbonnes de gaz, quoi. Il faut que je trouve un... Ah, voilà. Par là, doit y avoir un lac de lave. Je le vois sur la mini-map. J'ai été à voir sur mes mini-map. Viens là. Non, mais le squelette, casse-toi. J'étais voir. Oh caray, j'étais voir. Mais toujours plus de pain depuis ce village, j'ai un stack de... Mais calme-toi avec le pain. Je suis en train de récolter le pain du village, tu vois, j'ai plus d'un stack de blocs de paille. C'est moi ou c'est complètement débile? Non mais je te dirai à combien de pain je suis, parce que là je suis à 439, j'ai pas encore utilisé les blocs. Mais je vais jamais mourir en fait, rien qu'avec cette méthode là, juste je me balade et je trouve ça quoi. À peine absurde hein, comme production, mais on va pas le dire. À la base je cherche des poulets. À la base j'ai cherché un poulet puis j'ai trouvé du pain. Mais en masse. En masse. Alors déjà, la quantité absurde de blé que j'ai un stack, mais genre un stack de backpack hein, de blé. Un stack de backpack de blé, donc backpack amélioré à mort. Oui, bah oui, stack upgrade 3 quoi. Ah bah d'accord. On fait des pains. Ouais, donc t'en as 500 et on te les met dans la bouche. On fait du pain, on te le met dans la bouche. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mais, je suis con, j'avais l'échelle qui me relie directement, à chaque fois j'oublie. Ça dégage. Allez, je retombe. Grimpons cette échelle plus vite. On a une machine qui nous attend. Il fut d'un temps, j'avais 439 pains. C'est moi ou c'est complètement débile? Maintenant, j'en ai 721. C'est moi ou c'est complètement débile? Oui. Il me faut 4 d'osmium, maintenant que j'y pense, et 8 de redstone, blé. Mais ce genre de quantité de pain, tu mets quelqu'un sans mode, tu lui dis « Hey, j'ai 721 pains, tu les veux ?» Il fait « Non, j'ai pas assez de place pour ça !» Comment ça t'as pas assez de place, ça prend 2 cases? Ouf court. Donc, il nous fallait l'électrolyse séparateur. Donc, il va me falloir 2 de redstone et 2 de fer en plus. Tac, c'est pas cher. Pas cher. Il me faut de la redstone, il m'en faut. Mais après, ça, je m'en fous, j'aurai ce qu'il faut sur moi. Bref.
On va stocker notre XP. J'ai 27,9 level. Trop bien. Sympa, moi j'en ai 21,9. Trop bien. Trop propose bien. Quoi Unbreaking 4 et Fortune 4. Sur pioche démon plus un Fortune 3, ça donne un Fortune 4 grâce au gobelin. Imagine après tu rajoutes la Netherite qui améliore de la plus fortune. 1 la fortune. Fortune ça. À peine pété. Mon dieu. Mais il faut qu'on fasse ça. Hein. Bon, on ferait ça en ultimérite. Et de toute façon on va avoir l'atomique des assembleurs, donc à part la fortune, il n'y a pas de vraie utilité, j'ai envie de te dire. Oui voilà, c'est juste pour la fortune, parce qu'après si le touch tu l'as sur on a un crocheur, est-ce que je peux avoir un Energize Furnace nice. Et je n'ai pas ici j'ai quoi mal. J'ai plus de câble. Voilà, donne-moi ce qu'est-ce que... Vous n'avez pas vu des poulets par hasard? Mon ami en cherche. Pourquoi? Pour en faire l'élevage? Ah non, non, pour les détruire. Pour les nettoyer. Pour les déplumer. Donc maintenant que j'ai un crusher, je vais y mettre deux lingots d'osmium, un lingot d'or et un lingot de fer. Boum, boum. Il va me falloir un fluide. J'avais posé une question débile, j'ai eu ma réponse tout seul. Écoute, c'est tant mieux. Surtout sur le moment où tu te rends compte que la question est débile et t'as la réponse tout de suite, du coup. Il me faut un fluide, il me faut du fluide, il me faut un toyo qui prend de l'eau. Tu veux du fluide? Oh. Il me faut un toyo qui prend l'eau, voilà. Non, c'est pas le pressurisme. Mine mécanique. Quoique. Un tuyau qui est. Un tuyau qui est pas isolé? Un tuyau qui est pas hermétique? Qui prend l'eau. Je vais chercher un stack de charbon. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse la masse de steel. Pour être swag. Non, pour faire des câbles. Et il faut quoi pour lui? Pareil, sauf qu'il faut des barils. Mais cette vitesse... Je pense, j'ai même plus besoin de sprinter pour qu'en bateau je te distance large. Et bah écoute, au prochain épisode, ce qu'on fera, c'est on ira dans une dimension, on ira explorer une dimension. Je vais entre hors caméra, je vais essayer de crafter aujourd'hui la centrifuge et hors caméra, je m'occuperai de tout ce qui est câblage tranquillement. Et du coup, au prochain épisode, on va montrer à quel point ça produit de manière absurde et on ira se faire une petite balade dans la toundra. En effet. Pour des armures clairement moins valables que celles que j'ai là. Oh, celui-là, les fantômes, ça va. Clairement plus stylé. Et parce qu'il y a des pharaons à buter. Et plein de PNJ surtout. Oh, mais il va falloir qu'on fasse des réserves de mana. Hein. Moi, je suis chaud. Oh, un poulet de l'autre côté de la montagne. Deux poulets. Des poulets de l'autre côté de la montagne. Pardon. Donnez-moi des fantômes membranes. Ça, je dégage. À la base, moi je faisais ça, comme ça j'ai un demi-stack de steel. Ah ouh. T'as son demi-stack de swag. Trop bien. Du coup, t'as un demi-swag. Putain, y'a un nain qui a pop ici, qu'est-ce qu'il vient foutre là, je vous jure. Il me faut un demi-stack. Oui, mais non, mais il est dans une des pièces du bâtiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais qu'il te fallait combien de plumes? 8 x 4, 32? Ouais. J'en ai 25. Yay. Là on va voir ça va bien. D'ailleurs. J'ai oublié mon eau. Ton eau, t'as oublié ton eau. Mais tant pis, je vais aller en chercher. Non, j'allais dire je vais en chercher une autre, mais non, je tiens à mon eau actuelle. Voilà. Et j'ai barboté dedans pendant des années. C'est quoi qu'il me faut pour ça? Il va me falloir donc. Il reste 4 de ça. Ah, 4. Et. Non, j'ai dit 4 et 4 redstone. Si je me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien ça. Et il me faut un de lapis et un stick. Ah, j'ai du lapis, mais j'ai pas de stick. De toute façon, il va falloir que j'aille récupérer la blinde de bois. Pour plusieurs raisons. Donc, électrolyse séparateur, il nous faut ça. Il va m'en falloir deux de plus. Il m'en faut 5 de plus. 5, 6, 7 de plus. Donc. Alors. J'ai 22,2 level. Pourquoi pas? C'est débilement beau.
Et là, faut que j'attende que ça se fasse. En attendant, je vais couper du bois. On va waxer du coup, tac tac tac, du bois, encore et toujours, il est maître waxé ce salopio. Voilà, on va se faire un mort de ça, après on va rewaxer ça. Utilité, flemme, voilà. On va se refaire deux fois ça, il me faut du coup deux blocs de fer. Voilà, et il me faut des barrières aussi parce que c'est quand même pratique d'en avoir. Encore une maison de plus à fouiller. Et il me faut un bloc de redstone aussi. Parce que, voilà. Bonjour, je prévais les impôts sur le pain. Le pain. Bon, on va 22 pains de plus, hein. C'est débile. Ah. Mais j'en trouve 36 des maisons comme donc ça. Donc j'ai la centrifugeuse qui est prête, qui est craftée, j'ai plus qu'à la placer, à la brancher et vérifier que tout fonctionne, sachant qu'il faudra potentiellement que je mette un truc pour le miel en plus et que je configure une sortie pour que ça rentre dans des drawers. Oh non, mais stone gratuite, ça faisait longtemps. Donc voyons voir où est-ce qu'il en est là-bas en production, parce que je voulais quand même me fabriquer certains items avant de m'arrêter là. Lui il continue de cuire, lui là. Pff, faut que je lui en remette tout ça. Donc je vais en profiter, je vais placer notre centrifugeuse. Hop là, viens là. Multi-block time, youpi. Génial, j'adore. Donc il nous fallait un basique universel. Tac, on fait ça. On a dit 1, 2, 3. Si je mets le conduit ici et que voilà, on a du 4 par 3 par 3. Oh, je suis étonné de cette maison de gatekeeper, il y a... y a pas de pain, c'est bizarre. Il y a pas de pain. Non, mais t'en as pas assez du pain, sérieux? Non, c'est pas le problème, c'est qu'en fait, si tu es sur toutes les maisons de gatekeeper, dans la salle du portail, généralement, tu as de la paille. Et là, tu as juste des genre, des trucs de PNJ. T'as juste rien, il était pauvre en fait. C'est quoi donc, ça là-bas, c'est une maison notre, on a notre centrifuge qui est prête. Faudrait avec ça que je rajoute ressources fuel s'il te plaît, merci. Alors, ça, c'est devine fait. Qui a trouvé un autre village avec une maison contenant du pain en plus et une radio. Oh, ça se craft ça. Oh, c'est stylé ça, tiens, je viens de voir un truc et un bloc qui est stylé après à faire. C'est quel bloc? C'est Wooden Onetong, les heures Onetong, Onet Congélator. J'imagine que c'est ça qu'il faudrait utiliser, à la limite on s'en fout pour l'instant. Je mange du pain. Je crois que cette histoire de pain ça va être running gag, hein, vraiment. Parce mais que... c'est débile. Mais oui, mais partout où je vais j'en trouve. T'en as combien des plumes là pour l'instant? Mais je suis en train de rentrer en fait, c'est ça le truc, c'est que... Et sur le chemin du retour, tu sais, j'ai un peu croisé trois villages déjà. Mais sauf que comme j'ai pas de mana, bah là c'est le troisième que je croise si tu veux, donc là c'est la troisième waystone que je renomme village à exploiter 3, hop. C'est le troisième que je renomme d'affilée là. Ça veut rien dire, c'est génial. Si, ça veut dire que je dois y retourner pour tous les tuer. Mais... Oh, j'ai un sac qui est un peu plein, moi, je trouve, là. Poète. Oui, donc le jetpack, il me faut donc l'osmium compresseur, le... Bon, l'atomique désassembleur, on verra plus tard, ça, on s'en fout, ça, je le garde dans les crafts, c'est pas grave. Le wind générateur, on l'a déjà, ça, je le garde. La centrifuge, on en a une, on va pas s'embêter à en faire plus pour l'instant. Celle-là, j'en ai plus besoin, donc il me faut toujours l'électrolyse comme ça. J'ai ce qu'il faut avec moi, faut juste que ça se finisse pour que je puisse m'en servir. Je vais faire plein de câbles en plus, parce que c'est pratique d'avoir des câbles, j'ai envie de dire. Je suis quand même scandalisé qu'il n'y ait pas de pain dans ce village, vraiment, comment ils survivent? Bah, ils survivent pas, tu viens de passer. Mais j'ai pas de mana. Donc si, ils survivent. Bah, ils survivront pas longtemps, alors. Bah, quand j'aurai fait des grosses réserves de mana, je vais aller... démonter les trois villages, tu vas me voir revenir avec une épée à 50 de dégâts. Peut-être pas à ce point non plus parce que je suis à... Oh, ça, ça m'étonnerait à peine en vrai, mais... Après tout c'est normal, c'est moi. Ok, la maison est à 600 mètres, tout va bien. Je le sais parce que j'ai des yeux d'aigle.
Ou parce que t'as un waypoint? Non, j'ai des yeux d'aigle. Ah, j'ai potentiellement fait une bêtise avec ça. Une bêtise? Oh oui, j'ai fait une bêtise, oh non. Oh mince alors. Oh zut. Charles Edouard, j'ai fait une bêtise. Oh zut, je me suis trompé, Charles Edouard, j'ai fait comme qui dirait une erreur. Il semblerait qu'il y ait méprise avec Jean-Christophe de la Fistinière. Apparemment, les comptes n'étaient pas les bons. Faudrait que tu regardes ça, s'il te plaît. Ça m'arrangerait grandement. Je suis le somme ultime. Je remonte les fleuves plus vite que ta mère. Tu quoi? Mais... Mais pourquoi? Explique-moi les... Fallait que je chante une punchline nulle. Fallait juste que t'insultes une maman comme ça, gratuitement. Mais je suis le somme ultime. J'ai réussi à jump entre deux rivières, tu veux quoi de plus? Mais rien, t'es le saumon ultime, c'est tout, tais-toi, c'est bon, on a compris. T'embête pas à faire plus. Moi je build un couloir en attendant là, c'est bon. J'ai mis 114 pas. C'est génial. C'est débile, c'est pas génial, c'est absurde. T'es où? Dans ton cul. Non mais je te cherche vraiment pour te fier, t'es putain de plus malade là-bas. Je suis dans la base. Oui je sais mais je savais pas où exactement, tu sais, c'est un peu grand. Appel. Bonjour, tenez vos plumes monsieur. Ça fera 5 euros de pourboire. Quoique non, je suis son ultime, rien à battre. Le sombre ultime n'a pas besoin de pourboire. Le sombre ultime est un pourboire. Point, 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 point. Le sombre ultime équivaut à 3 salaires de cadre en entreprise. Il n'a pas besoin de pourboire, il est déjà riche. En oméga 3. Mais t'as pas fini, ça. Ça me fume. Mais t'as pas fini, j'en peux plus de toi. Tu me fatigues. Ultimate Solomon Fact. Tu me fatigues. Si le saumon ultime n'a pas d'eau, il vole ton oxygène. Le saumon ultime, quand tu dois lui payer un loyer, quand t'es en retard, il vient régler tes comptes toi lui-même. Rien à foutre. Il vient régler les comptes lui-même et il sort par ton lavabo sans te demander l'autorisation. Il remonte le cours d'eau jusqu'au lavabo. Il sort en mode kill me. Il est là, vas-y, balance le noyau, je te mute. C'est F. Raboule-t-une, toi. Et toi, tu vois le saumon, t'es en mode. D'accord, monsieur. J'ai pas bien compris tout ce qui se passe, mais d'accord. Mais c'est jump que je fais, vous. Ils sont absurdes de jump, j'imagine. Oui, mais que... j'ai hâte que tu vois vraiment. Si... Ok, bon, pendant tout le reste de l'aventure, tu m'appelles le saumon ultime. Enfin, c'est mon deuxième prénom, si tu veux. Je vais t'appeler le poisson rouge, ça va être vite être réglé, tu vas voir. Je vais jumper, je vais faire des jumps de dauphin dans tes morts, tu vas voir. Je vais jumper dans tes morts. Je vais nager dans tes grands morts, toi, tu vas voir. Je vais remonter le cours d'eau de ta grand-mère, tu vas vite comprendre. Ça veut rien dire, c'est génial. Je suis déchaîné, c'est génial. C'est absurde. Bon, sinon, ce que tu peux faire là, c'est démanteler la pierie, récupérer toutes les abeilles et la démanteler, on va la descendre, on va la remettre dans la base. Je vais la descendre, d'accord. Pas de problème, monsieur. Merde. J'ai pas assez de munitions, c'est compliqué, mais... Je le savais, je l'attendais. Ok, bon, toutes les abeilles sont... Ah, mais donc, j'ai mon configurateur, moi. Hop là, il me faut donc celui-là. Il m'en manque deux. Quoi? Qui? Nicolé.
Donc, il me fallait des tuyaux de liquide. Voilà. Pourquoi je peux pas exporter? Faut que tu sélectionnes l'abeille, mais parce que tu peux pas en avoir plus. Faut que tu retires l'abeille du trou. Du truc, en fait. Mais. Non, mais. Thomas, ça je sais, mais il reste que la. Que la. Que la Colby, elle veut pas s'exporter. Parce qu'il faut que tu cliques sur le cadenas, faut que tu la lock dedans. Ah. Ça expliquerait des choses. Le saumon ultime a encore beaucoup de choses à apprendre malgré ses pouvoirs stupéfiants. Le saumon ultime est un peu con sur les bords. Ah, ça marche mieux d'un coup. Là, donc j'ai un électrolyse séparateur. Donc je vais pouvoir le brancher là. Et lui donner mechanical pipe. Et je sais pas si je peux. Y a pas moyen, j'ai de l'eau en infini. Putain, le bloc de netherite. Tu veux de l'eau? On a plein de sauce si tu veux. À la limite, au pire, je vais faire un tank de liquide. Voilà, ça sera très bien. Faire un tank tout con, voilà, passe-moi ton tank. Oh, le bloc de netherite, il met des plombs à se péter. Hein. Lui, ce serait quoi l'amélioration? Ouais, il me faut ça. Bon, je vais faire un tank juste là. Que je vais faire en export. Voilà. Et ici, ah, je vais faire une source d'eau infinie. Voilà. Tu veux que je prenne le bois et tout aussi? Je veux bien que tu me rapportes deux seaux d'eau, mais c'est tout ce qu'il me faudrait pour l'instant. Et pour la pierrie, juste, il faut juste les trois blocs pour l'instant, et puis je vais finir la structure en orcam. Je te ramène aussi tous les blocs qu'il leur faut pour travailler. Oui, les blocs qu'il leur faut pour travailler, c'est assez important. Léger, sinon elle travaille pas. Oui, sinon on aurait très vite con. Mais je viens de faire un jump de 5 blocs de long au moins. C'est débile. Mais le son ultime, c'est bon. C'est terminé maintenant. Je peux pas casser le bloc d'herbe, faut que je le garde, le bloc d'herbe. Ultimate Solomon Village. T'as un peu de dirt sur toi, tout à l'heure? Non, mais j'ai un peu de cobble. Non, mais il me faut de la dirt, mais c'est pas grave. T'as deux seaux d'eau et du coup les blocs, c'est tout ce qu'il me faut. Clac, 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 clac. C'est que ça en fait des blocs, dis donc. Oui, tu veux les abeilles avec? Non, pas tout de suite, la boîte est pas finie. Ok, bon, moi je les garde sur un volant. Tu veux peut-être la porte avec aussi? En vrai, non, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que t'aurais genre deux blocs de glace? Et en gros, regarde, tu fais. Comment ça s'appelle? Oné bloc. Et t'essaies de me crafter les oné blocs, les oné glace. Version B. Parce que c'est un peu pété comme truc. Si on passe à travers. Le bistou. Oh, écoute, j'ai 16 oni blocs. Comme ça. Merci d'avoir demandé au son ultime de faire cette tâche. Donc, cela sera fait dans les 5 minutes qui suivent. Là. Voilà, on va vider ça. Attends, juste pour me taper une barre, je vais aller voir si je trouve un truc sur Google en mettant Ultimate Solomon. Genre vraiment, est-ce que je peux me taper une barre là-dessus? Que c'est déjà fait. Mais... Voilà, ils sont là les jetpacks, j'aime les jetpacks, c'est trop bien les jetpacks. Non, ça parle de recettes. Où pêcher le son ultime? Ultimate. Quoi? 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 Qu'est-ce que t'as trouvé? Une date, 2019. Un nom, Ultimate Solomon Simulator. Une image, plein d'images. Trop d'images. Solomon Simulator, mais tiens, amuse-toi. Je garde cette page dans un coin, j'en ai besoin pour plus tard. Des recherches futures. Si tu me l'achètes, je suis prêt à faire une vidéo. T'es sûr hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fais gaffe, je suis capable hein. Bah moi aussi. 8, 9... Attends, j'ai plus ce que tu voulais que je fasse. Ah oui, c'est vrai, le glace. Et que tu me ramènes un peu de dirt aussi. Et puis on sera pas mal. Ce sera fait. Voici, en exclusivité, des Oniglass.
C'est les versions billes. Là, on fait les versions player. Est-ce qu'il te reste des blocs de verre? Bah, y'en a qui chauffent. Parce que du coup, ça serait pratique pour faire. Alors, ça, c'est push. Non, il me faut du pull. Et toi qui est relié à rien, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais dis-moi, Jamie, tu es inutile. Tu vois un peu le bordel de câble qui commence à apparaître? Ah oui, il va falloir cacher tout ça. Bah on s'en fout, il y aura des couloirs, il y aura des murs et des couloirs partout, donc le gros vide sanitaire, c'est pour mettre des câbles. Le fameux vide sanitaire. Et faut que je vérifie en bas, mais... Alors, j'ai un problème, messieurs, c'est que... Enfin, mesdames, votre... J'ai le seum, ça a pas tué le bon. Michel, t'es où? Regarde, j'arrive. Regarde derrière toi. Ah, oh. Ah, t'as un jetpack, nice. Oh, un bébé. Oh, un deuxième bébé. T'es une salope, moi j'ai pas assez de mana. Vraiment, j'ai dû mettre un coup dans la mêlée parce qu'ils étaient tous groupés, ça a pas tué le bon. Et toi t'arrives, tu me les voles. Escroc. Bon, j'ai ton jetpack qui est en train de chauffer. Bon bah deux coups et un dwarf est mort. Bah en même temps... ils ont beau être tanky, faut pas déconner non plus quoi. J'ai plein de merdier sur moi, c'est merveilleux. Ce qu'il faut... Alors on va prendre... les zones et glaces. Oui. Je te suis, vu que je peux respirer tranquillement. J'ai quand même mes potions de sang, on sait jamais. Oh, c'est trop bien. Oh. Les abeilles. Oh, c'est génial. Est-ce qu'on ferait pas genre tout le mur en néglace comme ça? Si tu veux. Et du coup, tu peux remettre les abeilles qui ont leur bloc présent, si tu veux. Eh ben écoute, attends, s'il te plaît, mais... Et, merci. Bah, on aura fait tout ce qui était prévu. J'aurais fait le configurateur, le jetpack, les câblages, je vais les finir en hors caméra. Donc, basique, ça, voilà. Redstone, ouais, ça. Je vais, pour finir du coup la vidéo, je vais faire juste un truc qui s'appelle tout simplement une armure. Voilà. Je vais faire mon armure qui court sur l'eau. Et faut qu'on teste ton armure pour finir cet épisode. Ce serait déjà pas mal, oui. Parce que l'épisode commence à être long. Mais on aura fait du mécanisme. On aura on a un des jetpacks, c'est ça qui est pété. Je me demande, je peux pas l'avoir en... Ah non, c'est arnaque. Oh, la centrifuge, tain, ça a l'air mastoc, hein. Bah c'est une belle structure quoi. Bon, on va pas très vite quand on court, quand on avance avec le jetpack, hein, mais on remonte vite quoi, c'est pratique. Oui. Et après en le jetpack, je peux l'améliorer pour qu'il ait la, pour qu'il te protège autant qu'une armure en diamant quoi. Ah oui, je me souviens de cette amélioration. Donc moi j'ai une nouvelle belle armure et du coup je peux courir. On dort pour les fantômes. Et j'ai le but. Alors, de juste. Observe. Bon, déjà, si on compare, si moi je sprint, je suis un peu plus rapide que toi. T'es où? Oui, t'es pas un peu, t'es beaucoup plus rapide parce que je suis plus lent sur l'eau que sur terre, je crois. Ou je suis juste très lent de base. Mais bref, ça c'était normal. Alors, à la limite, faut que je me fasse déjà... un bouquin de magie en vrai, c'est pas compliqué. Donc, les jumps que je faisais, c'était un truc de ce genre-là. Ouais. Tu vois, ça c'est nul, tu vois, parce que déjà quand j'ai ça. Non, par contre, alors, il est temps de le mettre en pratique. Ah! Aïe! Tu m'as tapé? Aïe! Aou! 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 J'ai mal. Je t'avais dit qu'il fallait dormir, mais bon, c'est pas grave. J'ai mal. Viens, viens. Tu vas constater. Mais, bonjour. T'aimes bien mes éoliennes? Ouais, sympa. Très efficace, dis-moi. Pourquoi le configurateur il stocke pas d'énergie? Y'a pas d'énergie là-dedans? T'as fait comment tuer les amis? Parce qu'en fait tu quittes l'énergie. Non mais c'est parce que toute l'énergie est instantanément pompée par les machines en dessous. Je sais pas laquelle consomme en continu. Parce que j'ai pas encore relié... Ah si, je sais c'est laquelle, c'est celle qui nous permet d'avoir de l'hydrogène. Qui consomme en boucle parce que... Bah faut charger les jetpacks. Non, parce qu'il y a la réserve. Faut charger les jetpacks. Alors, ma vitesse sans sprint, c'est ma vitesse basiquement de nage, mais sprinté à accélérer, tu vois déjà. Putain, je vais avoir du mal à te rattraper. Hein. Ensuite, la vraie vitesse, elle commence là.
Reviens. Reviens. Attends, regarde. Oh, je vais essayer ton armure. Putain, mais j'ai pris du dé... j'ai pris des, dura... de la... des dégâts sur l'armure déjà. Donc, mais pareil, mais t'inquiète, regarde, si je veux, je fais ça en fait. Et là, je me suis raté, tu vois, j'aurais pu monter ici au moins. Maintenant, vraie question, c'est est-ce que tu vas aussi vite si toi tu la mets? Je pense pas. Parce que si c'est le cas, c'est extrêmement drôle. Non, je suis très lent par rapport à ça. Je crois que je vais à la même vitesse que toi. Ouais, en effet, je vais plus vite que toi. Non, on va à la même vitesse à peu près. Ouais, non, t'es plus vite. Mais au moins, j'ai plus de problème de respiration. Respiration, ouais. Donc à la limite, on pourra suivre, tu me prêteras l'armure et puis on pourra suivre comme ça. Ouais, mais c'est quand même vachement drôle de pouvoir faire des sauts de dauphin, mais... Moi, je trouve quand même vachement plus drôle de courir juste par-dessus l'eau en mode « Je suis Rezus, bonjour !» Non, moi, je trouve ça très drôle de faire ça. Je t'ai pas vu. Faut que tu sautes derrière moi, hein. Moi, je suis en F5. Sur ce, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Pendant que le saumon fait n'importe quoi, donc au revoir et des bisous. Le saumon ultime. Des bisous du saumon ultime.